en Australie, mais c'est juste pour vous montrer ce qui pourrait arriver dans la zone que je viens de vous citer. Donc ça veut dire tout ce qui est du côté, voilà ce qui devrait arriver. Donc toute la zone qui se trouve ici, ça représente 2,50 m d'eau. C'est 2,50 m d'eau, c'est dans 4 heures de temps. Ce qui veut dire qu'à 1 heure, on doit avoir tout fait le travail. Et puis pour avoir une petite marge de sécurité, toutes les évacuations, toutes les tâches qui ont été planifiées dans ce petit bouquin de planification des crues du Rhône doivent être effectuées pour midi et demi. Donc maintenant, et si groupe 1-5, mise en place de la fermeture des zones ainsi que la surveillance des... Pour porter sur les plans, on a entendu, il faudrait voir avec la police. Pour fermer les routes, c'est la police qui a, j'ai noté qu'elle fermait 20 fermetures de routes, 20 barrages. Donc il faut regarder. En fait, on a eu ça, tu vois, on a eu tout. Il donne les chaussures, on a acheté. Au cas où on doit évacuer d'urgence, on a une centaine de sacs de couchage, on a une centaine de couvertures en haut, plus on a des tentes pour 300 personnes, par tente de 8. Donc si on doit évacuer un coin en urgence, on peut directement s'occuper de 300 personnes au niveau du logement. Bon, c'est clair, tu sais maintenant. Ouais, ah, pas à peu près sûr. Ouais, parce qu'on a le contrôle des habitants qui nous ont envoyé les listes. Puisque les gens, ils ont dit, bon, on doit évacuer toute cette zone, alors on sait qu'on doit avertir les contrôles des habitants. Ils nous disent, on a gardé celui-là, ils nous ont envoyé les listes. Alors après, on vient ici, puis on coche. Alors il va y avoir la sirène, il va y avoir un pompier qui va arriver, enfin un véhicule du feu qui va arriver. Il va déclencher les sirènes, il va faire le tour pour que les gens ils commencent à réfléchir qu'est-ce qui se passe. Puis après, normalement, il y a les bus qui arrivent, et puis on embarque. Ben je crois, priorité, il n'y a pas. Priorité, non, c'est la non, personne. Mais, d'accord alors. D'accord. Monsieur, bonjour. Monsieur, ouais. Et après vous pouvez les aiguiller en direction du bus. D'accord. D'accord. On le laisse tout seul. C'est le...